C'était pas mal ici, hein. J'aime bien. Ça me fait penser à la maison. Oui, mais je ne suis pas trop sûre du café. J'espère qu'il ne fait pas trop du lait dedans. Merci. Alors, pour moi, un cappuccino, please. Okay. Thank you. Maintenant, vous êtes vraiment chinoise, hein? Pourquoi tu dis ça? Ah, parce que tu prends tellement du temps pour commander. Je me demande toujours à quoi qu'elle pense quand elle commande. Oh, coconut latte. Can you believe that? Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air tellement exotique. Ah, je vais prendre ça. Je pense que je vais prendre ça. Ok. Coconut latte, please. Ok. Thank you. Thank you. You know what? Chinese people, they fuck up European dishes. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ils mettent du sauce sucré sur les frites. Non. Imagine-toi, oui. Et même dans les salades, partout. C'est pas possible. Mais... Attends, je crois pas que tu puisses fumer, hein. Ici, c'est interdit, hein. Mais on est en Chine, on peut fumer partout. Ah bon. Les professeurs, ils fument dans la classe même. Ah bon? Regarde. C'est toi qui es devenue tellement chinoise. Alors, raconte-moi ton histoire. Bon, alors hier, j'étais super fatiguée et je me sentais flappy. Et donc Jeff m'a donné une adresse pour une boîte à massage à Sanlitun. J'hésitais un peu, mais j'y suis allée. Et donc d'abord, il y a ce mec qui me fait un massage de pied. C'était bien? C'était bien, je peux toujours marcher. Et c'était cher? C'était 60 yuan pour 30 minutes. Mais seulement pour les pieds, hein. Parce que après les pieds, évidemment. Merci. Thank you. Alors. C'est bon? Bon, ça va. Mais c'est meilleur à l'école. Non. À l'école, ils font pas de coconut latte. Alors, continue. Les pieds. Eh ben, après les pieds, il essaye de me convaincre de faire le full body massage. Moi, j'avais jamais fait de full body massage. Et bon, c'est vrai, j'avais envie d'essayer, hein. Mais bon, ça me disait pas non plus grand-chose. Mais le mec insiste quand même, il insiste lourdement. Tu l'as fait. Bah... Tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Mais c'est-à-dire qu'il a tellement insisté en me disant que c'était 100% chinois, que c'était super bon pour le corps, pour les nerfs, que ça détendait vraiment, et qu'en plus il allait me faire une super remise. Alors oui, je l'ai fait. Voilà. Alors d'abord, il a commencé par me faire la tête, par me masser la tête. Et tu sais, le massage de tête, c'est super bon pour ma migraine. Et... Ensuite, il m'a retournée. Il a commencé à me masser le dos. Et bon, ça, j'aime pas trop. Moi, le dos, ça fait assez mal, en plus, le massage de dos, je trouve. Est-ce que vous avez parlé? Bah, pas trop. Parce que, en fait, ils parlent pas anglais, les masseurs. Donc on n'a rien dit. C'était assez chiant, en fait. Ensuite, il m'a retourné dans l'autre sens. Il a commencé à me faire les épaules, comme ça. Très professionnel, hein, très professionnel. J'ai beaucoup aimé. Et puis ensuite, il m'a commencé à me masser cette... Tu m'écoutes pas?
Mais bien sûr, mais je ne comprends pas. Non, tu ne m'écoutes pas. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est tellement chinoise. Là, en Belgique, on fait la même chose, non? Oui, en France aussi. Mais attends la meilleure partie. Alors? Alors, je disais, il a commencé à me faire cette partie, et puis à descendre de plus en plus bas, mmh. Et puis encore de plus en plus bas, et puis tout d'un coup, sans que je lui ai rien demandé, hein, il m'attrape les nichons. Non. Et il commence à me masser comme ça, à me masser mais vigoureusement, hein, bien les seins comme ça, hein, pendant au moins 10 minutes. Voilà. Alors moi, je ne savais absolument pas ce que je devais penser et je ne savais pas ce que je devais dire surtout. Est-ce que c'était quelque chose de très chinois, de très culturel, ou est-ce que c'était une espèce de massage thaï, tu sais, un peu sexuel, et comment ça allait finir. Lui, il n'arrêtait pas de dire « very Chinese », et moi... je préférais penser que c'était very Chinese, tu vois. Ah oui, probablement, parce qu'en Belgique, on ne fait pas ça. Hein. On ne fait pas ça en France non plus. Enfin. Le café est vraiment bon ici. Hein. C'est un bon espace pour fumer.